Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement. À une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémite par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Nana Akufo-Addo au Burkina Faso. Nana Akufo-Addo s'est déplacée pour aller au Burkina Faso. Il a été reçu à l'aéroport de Ouagadougou par le président Ibrahim Traoré. Question. Que vient-il faire? Pensez-vous que Nana Akufo-Addo a compris qu'il faut une solidarité africaine, qu'il faut s'aimer d'abord entre nous, Africains, il faut qu'on puisse s'entendre, il faut qu'on puisse coordonner nos actions, il faut qu'on puisse aller vers une véritable unité africaine, qu'on aille vers les États-Unis d'Afrique, se débarrasser de tous les Occidentaux, les bases militaires occidentales qui nous persécutent, qui nourrissent le terrorisme en Afrique. Qui parmi vous peut croire à ça? Je ne pense pas. Personne. Nana Akufo-Addo, je vais vous le dire, n'est pas allé au Burkina Faso pour aller caresser Ibrahim Traoré, pour aller féliciter Ibrahim Traoré pour le travail qu'il est en train de faire, pour aller féliciter l'armée burkinabé, de la montée en puissance du travail excellent qu'ils sont en train de faire pour préserver la sécurité des populations. Non, il n'est pas parti pour ça. Nana Akufo-Addo ne décolère pas. Il n'a pas lâché le morceau. Souvenez-vous, c'est lui qui est allé aux États-Unis exposer, vendre le Burkina Faso, demander aux Américains de faire, d'organiser une intervention militaire musclée contre le Burkina Faso. Demander à l'OTAN, aux Nations Unies d'intervenir au Burkina Faso militairement pour détruire tout le pays. En échange, il s'attendait à recevoir 2 milliards de dollars. Il a vendu le Burkina Faso pour 2 milliards de dollars, qu'il n'a jamais eu d'ailleurs. C'est jamais venu. C'est jamais venu, il n'a jamais reçu ça. Nana Akufo-Addo a été obligé, lui qui refusait de négocier avec le FMI, ce que nous avons tous acclamé parce que nous savons que le FMI, c'est la corde au cou. Dès lors que vous faites recours au FMI, le FMI va vous broyer avec ses programmes d'ajustement structurel, avec ses conditionnalités pour les prêts. Nous le savons.
Donc, quand Akufo-Addo, au début de son premier mandat, avait dit que moi, je ne veux pas négocier avec le FMI, nous avons tous acclamé. On l'a tous acclamé. Aujourd'hui, Nana Akufo-Addo s'est mis la corde au cou avec le FMI et la Banque mondiale. Il est allé s'agenouiller devant eux pour obtenir un peu d'argent. Donc, quand Nana Akufo-Addo quitte le Ghana pour se rendre à Ouagadougou, ce n'est pas pour les beaux yeux d'Ibrahim Traoré. Et c'est à Ibrahim Traoré de bien comprendre cette leçon. Ce n'est pas pour ses beaux yeux. Nana Akufo-Addo est en mission de l'Union européenne. Il est en mission de l'OTAN. N'oubliez pas que c'est Nana Akufo-Addo qui a pris la CDAO, qui l'a mise plutôt dans les mains de l'OTAN, des États-Unis, de l'Union européenne. C'est même Nana Akufo-Addo. Vous croyez qu'il va changer aujourd'hui? Non. Non, il n'a pas changé. Il est en mission là. Les Occidentaux ont décidé. Ils sont patients. Ils ont dit, nous avons jusqu'à 2024. Il faut que les trois colonels militaires plutôt puissent quitter le pouvoir. Qu'ils donnent le pouvoir aux civils. Comme ça, on va bien les manipuler et on va reprendre les choses en main. On va reprendre le contrôle de ces pays. On va reprendre le contrôle du Sahel. Et je vous garantis que si le Mali tombe, le Burkina Faso tombe, même si la Guinée ne tombe pas, mais en tout cas entre ces trois pays-là, si deux ou les trois pays tombent, le Sahel est occupé. Et ça, ce ne sera pas pour demain que nous allons pouvoir nous en sortir, nous libérer. Mais oui. Regardez comment ils sont en train d'occuper le Niger. Au Niger, il y a 6 bases militaires américaines. Les Américains ont 6 bases militaires au Niger. La nouvelle stratégie, c'est de terroriser eux-mêmes les populations avec leurs supplétifs, les terroristes. Ils font fuir les populations et ils viennent installer des bases dans ces villages. C'est la nouvelle technologie, la nouvelle méthode, la nouvelle stratégie des Américains et des pays de l'OTAN. C'est comme ça qu'ils sont en train de s'étendre, occuper de plus en plus de territoires. Bientôt, c'est ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé le grand remplacement là. C'est ça qu'on est en train de voir là, le grand remplacement. Ils sont en train de remplacer. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en Haïti, le grand remplacement. Donc Nana Akufo-Addo, quand il vient au Burkina Faso, ce n'est pas pour venir acclamer les Burkinabés. Non, que les Burkinabés le sachent. C'est un traître, il faut le traiter comme un traître. Oui, c'est vrai, diplomatie oblige. Il y a quand même des choses qu'il faut faire. Mais il ne faut pas oublier que c'est un traître, c'est un cheval de Troie. Au même moment que Nana Akufo-Addo vient au Burkina Faso, on envoie le Togolais, le ministre des Affaires étrangères togolaise, au Mali, pour aller lui aussi faire pression. Leur objectif, c'est faire pression à ce que ces militaires-là partent l'année prochaine. Entre-temps, on pousse l'opposition guinéenne, cette même opposition qui ne voulait plus voir Alpha Condé. C'est eux maintenant qui sont en train de pousser les militaires pour sortir et puis qu'ils prennent le pouvoir pour le remettre dans les mains de leurs maîtres, les Occidentaux. Donc Nana Akufo-Addo, quand il fait le déplacement, ça n'a rien d'humanitaire. Ça n'a rien d'amical, c'est juste stratégique. Il est en mission et il vient pour voir comment il faut faire pour tordre le cou au Burkina Faso. Monsieur Ibrahim Traoré, la balle est de votre côté. Nous faisons notre part en prenant y compris des risques à parler de ces choses-là dans leur pays. À vous de faire ce que vous avez à faire. Mais si vous continuez à jouer, si vous jouez, il ne faut pas vous attendre à ce que les Européens puissent un jour vous faire confiance. Je répète, avec la France-Afrique, avec l'OTAN, on ne commet pas d'erreur. Et ils ne pardonnent jamais. Vous voyez Cuba, Fidel Castro est mort depuis longtemps. Cuba est toujours sous embargo.
L'affaire des missiles date depuis les années 60, 63, je parle par là, 60, 60 et 63, quand Kennedy était encore au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, Cuba est toujours sous embargo. Parce que eux, ils ne pardonnent jamais. Ça pourra passer 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils reviendront pour vous égorger, pour vous abattre. Vous, Maliens, Burkinabés, vous, Africains, qui dansez, vous êtes là à jouer avec eux, attendre qu'ils vous donnent de l'aide, alors que vous savez très bien que depuis les indépendances, ils vous ont apporté de l'aide qui n'a jamais résolu aucun problème en Afrique. Au contraire, l'aide n'a jamais été politiquement neutre. Donc, quand Nana Akufo-Addo vient, quand l'autre va au Mali, quand on manipule l'opposition, il faut savoir, vous qui êtes au pouvoir, vous devrez savoir que dès que vous allez quitter le pouvoir, ils vont passer tout leur temps à vous persécuter, quitte à ce qu'ils vous amènent à la Cour pénale internationale. Ils peuvent pas le faire maintenant parce qu'ils savent que vous êtes au pouvoir, vous n'allez pas quitter le pouvoir. Donc, ils attendent. Quand vous quittez le pouvoir, ils vont trouver des dossiers. Ils vont trouver un autre mourard. Ils vont trouver un vrai mourard. Ils vont trouver le génocide. Mais c'est pas moi qui est sorti. Le mot génocide est sorti là par l'autre Ambalo. À Karma. Ils vont prendre tous ces dossiers. C'est là qu'ils vont sortir ça. Ils amènent ça devant un juge. Le juge, c'est leur juge à eux. C'est leurs parents. Vous croyez qu'ils vont vous faire la complaisance avec vous? Non. S'il n'y a que moi, il ne devrait pas avoir organisation des élections tant que la sécurité n'est pas rétablie sur l'ensemble du territoire malien burkinabé. Ça, c'est un. Deux, s'il n'y avait que moi, les militaires qui ont pris le pouvoir ont le droit de se présenter parce que ce sont des nationaux. La Constitution n'exclut pas les militaires d'accéder au pouvoir. Que ce soit bien clair, la Constitution, aucune Constitution africaine ne pose ces conditions, puisqu'ils sont tous des militaires. Les Sassou Nguesso sont des militaires, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il faut que les militaires au pouvoir, vous puissiez savoir que vous n'allez pas seulement mettre la vie des populations en danger, mais la vôtre aussi. À partir du moment où vous allez perdre le pouvoir, vous allez donner ça à des civils bidons, des civils corrompus, des civils qu'ils ont, eux, ils ont travaillé. C'est fini pour vous. Et Nana Akufo-Addo est en train de jouer ses dernières cartes. Parce qu'il sait que c'est lui qui a détruit l'économie ghanéenne. Et il cherche des moyens pour sauver la face vis-à-vis de ses occidentaux. Peut-être qu'on pourra lui donner un peu d'argent pour élever le niveau, l'économie de son pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba Kolervé, Yamalem. Ceux qui nous amènent la violence, ce sont ceux-là qui nous amènent le terrorisme. Ceux qui ont tué Kadhafi, ceux qui ont détruit la Libye et qui ont envoyé les terroristes dans le Sahel. C'est ça, ce sont ceux-là, les maîtres de la violence. Nous, Yaba Kolervé, Yamalem, nous sommes des hommes pacifistes. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.